Merci Jérôme Revon, voilà, de s'être branché sur TF1. En fait, c'est tout court. Là, t'as ta masse. Donc, tout est relié à la masse. Ici, la masse, tout est relié ensemble. Là, tu as t'as ton signal, donc qui est comme ça. Et donc là, t'arrives dans un truc à 500 kg jusqu'au maximum. Et après, t'as un conduit qui passe de là et qui va jusqu'à la masse lui aussi. Donc, ça te fait un filtre. Normalement, c'est un filtre. Bah, là, c'est un filtre comme ça. Donc, on peut l'enlever si tu veux. Ce soir, direction Montpellier, troisième ville du sud de la France, après Marseille et Nice. La population des quartiers difficiles y côtoie celle des retraités et des étudiants, un mélange parfois explosif. Voilà. C'est fini? Ouais. Ça marche là? J'espère. Bon. Tu fais tout ça? Ouais. Suivi les équipes de police secours qui patrouillent la nuit pour interpeller les voleurs en flagrant déni et celle de la brigade anti-cambriolage qui enquête pour retrouver les auteurs mais aussi les receleurs des vols. Je t'en passe. Comment les policiers de la BRAVE, la brigade de répression des actions violentes, sont mobilisés pour lutter contre un nouveau fléau, les vols à l'arraché de bijoux en or. Je te laisse. Eh bien. Oh,